Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que l'effet Doppler ? Imaginez une voiture qui passe devant vous. Plus elle s'approche de vous, plus le son que vous entendez est aigu. Plus elle s'éloigne, plus le son que vous entendez est grave. Comment cela se fait-il ? À l'arrêt, le véhicule émet un son et dégage donc des ondes sonores qui se propagent à une certaine fréquence. Plus la fréquence est grande, plus le son est aigu. Et donc, plus la fréquence est petite, plus le son est grave. Maintenant, le véhicule se déplace vers vous. Nous voyons alors que le point de départ des ondes sonores se rapproche aussi de vous, ce qui a pour effet de diminuer l'intervalle entre chaque onde qui se dirige vers vous. La fréquence que vous recevez est alors grande et vous entendez donc un son aigu. Lorsque la voiture vous a dépassé, vous remarquez alors que la fréquence est plus faible, le son que vous percevez est donc plus grave. Cette variation de fréquence en fonction du déplacement d'un objet, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler physio, plus couramment appelé effet Doppler. L'effet Doppler ne s'applique pas qu'aux ondes sonores, mais à toutes les ondes, comme celle de la lumière qui fait partie des ondes électromagnétiques. En astronomie, les phénomènes appelés décalage vers le rouge et décalage vers le bleu sont des conséquences de l'effet Doppler sur le spectre visible. Pour les objets célestes lointains, comme les galaxies par exemple, plus celle-ci va s'éloigner de nous, plus nous la verrons légèrement rouge. A contrario, si elle se rapproche de nous, nous la verrons légèrement plus bleue. Ce sera tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine.